Trap Arms. Je recherche des conseils et des astuces pour FIFA 15 Ultimate Team. Alors je te conseille d'aller sur ultimateteambyfg.blogspot.fr, le lien est dans la description. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de la série... Non, ça commence mal, c'est l'épisode 23, salut les gars, je recommence. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de notre série à la quête du Graal sur FIFA 15 Ultimate Team. Aujourd'hui je vous propose d'aller en division 3 avec mon équipe Paquet Bale. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, Paquet Bale c'est quoi comme équipe? C'est l'équipe de Gareth Bale, c'est son équipe à lui, à 7 hommes, à Gareth Bale. Cet homme que j'ai packé en premier détenteur dans les packs gratos qu'ils avaient filé hier. Donc voilà, j'avais eu la chance d'avoir ce bon joueur dans le pack, dans les packs. Des belles stats, bien entendu, 112 matchs, 90 buts, 49 passes D. Voilà, donc j'avais cet homme-là. Je vous rappelle rapido ce concept parce que j'avais déjà fait une vidéo de présentation de cette équipe. Le concept, c'est quoi? C'est j'ai eu ce joueur, Paquet Bale. Je ne pouvais pas le mettre dans une équipe. J'ai dit, je fais une équipe autour de ce joueur. Ce très bon joueur qui est Gareth Bale. Et du coup au début j'avais une petite bébé vert un peu pourri hors argent, et au fil du temps les gars ça s'est nettement amélioré. Quand je vous ai présenté cette équipe, je sais plus ce que j'avais peut-être Ramos Royce en attaque, mais en tout cas maintenant on est passé à du Aubameyang boost. Au milieu on a un petit Iniesta, Gundogan, Rose, Kedira, c'est sexy. En défense, on a du Alaba, Boateng, Otamendi, boost, qui est pas mal, qu'on voit pour 30 000 crédits, c'est pas cher, les gars, je vous le conseille. 93 défense, 90 physique, de Marcos, Neuer, enfin, au début, c'était une équipe, voilà, je me suis dit, bon, je vais faire une équipe autour pour jouer, pour m'amuser de temps en temps, pour jouer avec Bale, parce que je l'ai packé, je vais en faire quand même quelque chose. Et au final, c'est quand même transformé en une belle équipe, dites-moi si vous trouvez vraiment cette équipe sympa. Bon, il n'y a pas non plus... On peut mieux faire, on peut mettre un Dani Alves boost, un Iniesta bleu, un Boateng bleu, orange, boost, tout ce que vous voulez. On peut mettre un Neuer bleu, on peut mettre du Royce, je sais plus quoi, enfin bref. En tout cas les gars, on a cette équipe et on va aller en division 3 avec, voilà, elle a un peu changé par rapport au dernier épisode que je vous ai fait avec. Je crois que vous avez fait une présentation un match derrière. Alors, en tout cas elle a un peu changé, donc voilà, on part avec cette équipe. On va contre Nino G34. On va jouer avec ces maillots-là. La dernière vidéo, on a joué avec les autres, si je me souviens bien. Je sais plus avec lesquels on a joué, mais en tout cas, belle équipe. Et regardez, on tombe contre Gareth Bale. Ha ha ha, quel hasard. Mais ça se trouve, ce con en face, il l'a payé. Et pas moi. Bon, toujours étant qu'il a Benzema, Neymar, Rodriguez. Bon, c'est du BBVA classique, sérieux. Sandeur avec des équipes comme ça, les gars. BBVA classique, Neymar, Ramos, on sandeur, les gars. On sandeur, c'est comme Bundesliga avec Aubameyang, Lewandowski, ils sont sandeurs, il n'y a pas de couleur. Moi, je vous propose du Gundogan rose, c'est un peu pédé. Je vous propose du Aubameyang boost, Otamendi, enfin voilà. Mais il a rien de sexy, mais après... Souvent les équipes pas sexy, tout full heure avec des joueurs bah, entre guillemets basiques, quoi, bah, ça passe. Oh bah mais ça commence fort les gars, ça commence fort. Chaud de braise le Aubameyang, chaud de braise les gars. Direct, première minute, Aubameyang prend la balle, roulette, tac tac tac, tu m'as vu, non tu m'as pas vu, bah tant pis, je marque quand même. Casillas déjà à la traîne. Yeah! Je crois que j'aurais pu me mettre au rap, les gars, à la place de faire des vidéos sur FIFA. En tout cas, 1-0. New York exulte. La Favelas Gang qui mène 1-0. La FGX sur ce but de Pierre-Emerick Aubameyang, numéro 99. 99. Deuxième minute, enfin même première minute. Et déjà un but d'Aubameyang. Ça va être chaud ce match, les gars. Ça va être chaud. On a déjà un but d'Aubameyang, les gars. On a déjà un but. Ça peut être sympa. Allez, Bale, oui. Attention, le centre de Bale, Aubameyang. Dommage. Il aurait mis 2-0 sur la tête, là, j'aurais exulté. C'est un début de match comme ça, mais après les débuts de match, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Quand tu commences, tu mets déjà 2-0, 3-0 en 15 minutes, c'est pas bon. Je préfère gagner 3-0 à la 85e qu'à la 15e. C'est net. Attention, là il y a un bon ballon, ça va que Boateng n'était pas trop décalé, il était quand même décalé. Allez Aubameyang c'est monstre hein, évidemment les gars. Je sais plus si je l'avais, mais je vous le redis évidemment, c'est un monstre. Oh, le 1 partout, et qui c'est qui m'envoie un message?
C'est le mec que j'avais joué dans la dernière vidéo Doudou. C'est, vous vous en rappelez, la dernière vidéo, l'épisode 22, c'était ce mec-là, donc je vais voir ce qu'il verra, ce qu'il voudra après. On est sur autre chose, on est en train de se faire plomber le cul par Cruz qui nous a mis une belle frappe à bon portant. Allez, Gareth Bale. Allez. Ça va être, si ça va être un match à but, ça peut être sympa. Parce que là, le match d'avant, je vous propose une défaite 1-0 avec ma BPL contre une équipe Molasson de Bundesliga. Bon. Là, en tout cas, il y a déjà 1-1. Oh non, le tout droit de Bale. Le penalty. Fait chier, une balle de 2-1 pour lui. Ça va de but en but, 11ème minute, il va y avoir 2-1. Faut se ressaisir, messieurs. On va essayer de pas rester quand même sur des défaites de suite, quoi. Oh, mais je dis qu'il plonge à gauche, mais de toute façon, même si je plonge à gauche, je peux arrêter, parce que j'arrête jamais les pénalties. Bon, 2-1 pour lui, génial. Génial. Bon, j'ai perdu le match, la série d'avant, le match d'avant, j'ai perdu. On va pas perdre là, les gars. Pas deux vidéos de suite sur Rafael Vela, ça va être deux défaites, quand même. Ça serait quand même un peu dégueulasse. On essaie de se concentrer, mais... Ouais, bonne intervention, il récupère ce ballon. Oh, bien joué, bien, Karim bien Ramos qui joue au milieu de terrain, bien. Gareth Bale. Oui, c'est pas mal. Ouais, la belle c'est passe. Pas mal. Un beau mouvement. Allez, t'es seul. Oh, du con, c'est pas fini. Oh, il casse ce qu'il arrête. Aïe, pauvre de moi. Iniesta. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a de la place. Et il y a un coup franc, les gars. Mais je pense qu'il y a de la place derrière. Il y a peut-être moyen. Ça va peut-être un match folklorique. 30 mètres. On reste appuyé sur LB. Il va à droite. De partout, but de Gareth Bale sur coup franc, remarquablement bien tiré. Le LV, on va s'appuyer dessus, mettez le stick vers le gauche ou à droite, si vous voulez que ça fasse de l'effet, mais en tout cas, voilà, frappe en fort. Destruction des Cartavias. Et ça fait deux buts partout. Égalisation de Gareth Bale sur coup franc. J'aime. Que va-t-il nous réserver? Allez, Aubameyang, j'aime aussi Aubameyang. J'aime aussi Aubameyang, je la pousse, dommage. Je croyais que ça allait passer. Mais non. Peut-être allez, Khedira, une belle interception, bien joué, Khedira. Allez, Aubameyang, bien joué. Faut revenir en retrait. Ouh, dommage, ils sont pas assez revenus en retrait là. Les Bale et Royce là. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Oh, pas mal, Bale tout seul là. Oui, Bale. Take off. Et 3 buts à 2, les gars. C'est la fête. C'est la fête, Gareth Bale. Qui ouvre bien le plat du pied. Je voulais faire un. J'ai de la chatte, honnêtement, sur ce but parce que je voulais faire un Ronaldo Shop sur le côté dans l'axe. Pour rentrer dans l'axe. Il revient dans les pieds, un petit plat du pied, il connaît, hein, Gareth Bale, ça lui fait pas peur. Il vient de nous mettre un coup franc des 30 mètres, donc c'est pas très effrayant pour lui de mettre un plat du pied à bout portant. Et en tout cas, les gars, 3-2, on perdait 2-1. Et il y a déjà 3-2, nous sommes à la 25e minute. Et attention, ça va être un... Mais c'est bien, moi je vous propose des buts. Ça change de l'épisode d'avant. Je vous ai proposé un but. Et c'était un but en ma défaveur. Allez. Ça peut faire mal là-dessus. Ça peut faire mal. Roy, je fais 4-2. Quink, quink, faisait le canard de...
Marc Aureuil sous la poule, comme vous voulez. Mais 4-2, les gars. 4-2. Je sais pas si c'est le match qui a but ou si c'est sa défense qui est trop haute. Mais des fois, il y a des matchs à but où ça fait 7-8, 8-7, 5-5. Enfin, voilà. Mais là, en tout cas, les gars, il y avait un gros mouvement quand même. Il y avait quand même un gros, gros mouvement. Il y avait quand même la big counter speed. Et honnêtement, bien joué, Marc Aureuil. C'était un beau mouvement. Là, Bale pour Aubameyang pour Bale, Bale pour Royce qui file au but. C'était de la belle contre-attaque rapide comme on les aime. Il va sortir au pied. Il va sortir au pied. Ah, dommage. Oh, le gardien là qui fait des. Qui prend des risques. Attention, on va tenter, on sait jamais. Oui, oui, oui. Oh my God. Quel but, messieurs, dames! Quel but! Je pensais pas qu'il allait la mettre. Et là, je tente parce que le gardien est encore sorti. Il se fait lober, ce con. Il se fait lober du milieu de terrain, ce con de Casillas. Putain, Iniesta, bien joué. Là, franchement, Iniesta, tu me surprends, mon ami. Oh là 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 là, le désastre. Le désastre aussi. Je l'attends souvent, celle-là, je l'attends souvent. Le gardien qui sort, qui dégage. Il est plus dans ses cages. Je l'attends. L'attente, mais ça rentre pas tout le temps parce que le gardien a le temps de revenir ou ton joueur fait une frappe de merde. Mais là, Iniesta, il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit Casillas, tu te la bouffes, mon gars. Tu te la bouffes. Et bim, ça fait 5-2, les gars. Et ouais, mon gars, tu peux rager. Tu peux rager. Tu peux rager. Tu peux rager. 5-2. Tu gagnais 2-1 à la 11e. Tu te prends 5-2 à la 33e. Désolé, mon petit gars. Mais là, c'est bing. Là, c'est ça paye. Là, là ça paye. Là, là, là mes joueurs, ils. Ils font l'addition, c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Et pénalty! Le festival qui va continuer, messieurs, dames. Pénalty pour la Favelas Gang. Dani Alves. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah tout de suite. Tout de suite, ça tourne en bas, les gars. Et le rage kit de mon adversaire. Le rage kit, je me frotte les mains. Je me frotte les mains. Il a été débordé, le mec. Débordé, sérieux. Il n'y a pas d'autre mot. Et you dead. La connexion adversaire a été perdue. Le bilan de ce match aurait valu pour déterminer le résultat de ce match. Ça fait beaucoup de matchs hein, en une phrase, mais bon, c'est pas grave. Et les gars, big rage kit, big rage kit. Il gagnait 2-1 à la 11e, il s'est fait mais déborder le mec. J'ai l'impression que c'était un mec qui était dans une piscine vide en fait. Et on l'a. Il s'est plus rien de tsunami dans la gueule en fait. Il gagnait 2-1, il était dans une piscine vide. Rien ne pouvait lui arriver. Et là il s'est pris un tsunami sur la gueule, honnêtement. Il s'en est pris 5. Le match s'est arrêté à la combien 36ème, il gagnait 2-1 à la 11ème, je crois. Il gagnait 2-1 à la 11ème. Il s'en est pris 4 en 20 minutes. À peu près. En 25 minutes. En 25 minutes, il s'est pris 4 buts. Il s'est. Avalanche. Bon, en tout cas, les gars, bah voilà, petit rage kit pour cette vidéo. Hein, c'est pas tout le temps. 7 tirs, 7 cadrés pour moi. Bah voilà, terminé. Écoutez, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a quand même eu le temps de mettre quelques bons buts. Hein. On s'est quand même régalé, les gars. En 36 minutes, j'ai quand même proposé du sympa. Ça change de la vidéo d'avant. C'est clair et net, vous avez perdu 1-0. Là, on tape un rage kit à 5-2. Bim, terminé. Le gars s'en va en pleurant. Il va pleurer. Bon, en tout cas, les gars, je vous laisse sur ce 23e épisode. C'est pas une erreur, c'est le 23e. Donc, voilà, écoutez, les gars, amusez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager vos avis, vos opinions, commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Favelas. Bonjour à tous et ciao, ciao.